Et bonjour Antoine, bonjour à tous les amis, ici Kaz, je vous retrouve avec grand plaisir sur le monde vivant, l'histoire, on continue, l'histoire de Guild Wars 2, lien en description de la vidéo, si vous voulez jouer à Guild Wars 2 gratuitement, il y a la version Vanilla, hein, qui est gratuite et ouverte à tous, et si vous souhaitez faire comme moi, explorer cette, ces dernières missions qui sont arrivées sur le monde vivant, il va falloir les derniers DLC, pareil, lien en description de la vidéo. Rappelez-vous, les amis, épisode dernier, donc nous sommes saison 4 du monde vivant, nous sommes sur le chapitre 6, on avait fait le petit premier sous-chapitre, la fin, avec, attention, spoil, hein, si vous n'avez pas encore fait ça, barrez-vous, quittez la vidéo maintenant, spoil, donc ce qu'on appelle la fin, résurrection de notre cher Oren, et ouais, combat qu'on a entamé contre Calcratoric qui s'est écrasé dans le coin là où on est. Et donc là, on va continuer avec le sous-chapitre atterrissage. On va inspecter la zone, donc cette nouvelle zone au commandement du pacte sur la chute draconique. Et on va tout de suite avancer tranquillement sur cet épisode, voir un peu de quoi il en découle. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions sur cette saison 4 du monde vivant qui se termine. Et puis voilà, et en ordre général aussi, vos impressions sur Guild Wars 2, sur ce jeu qui est magique quand même. Hein. Moi j'adore ce jeu, il est vraiment très bien, très bon MMO. Alors fallait où? Fallait par là. Est-ce que je peux y aller à pied, à patte? Attends, on va voir. Particules de la brumaille. Ok, inspecter le terrain par ici. Est-ce que c'est en haut, en bas, à gauche, à droite? Ça a l'air d'être maybe par là. Hop, on va sauter. On descend. Hop là, plus de vie, bien évidemment. Et c'est au-dessus de moi, bien évidemment, le bosquet, nouveau. Et il faut trouver le moyen d'y accéder. Et il devrait y avoir un passage quelque part. Ça ne va pas être bien compliqué. Alors, on va sortir quand même les mini-pets, ça peut aider. Les pets de combat. Ok, on a gros la map, normal. Donc étape numéro 1, trouver comment monter ici. Alors est-ce qu'il faut continuer? Bon, on va voir. En tout cas, il y a du monde. On se fait emmerder. Enfin, des bestioles en tout genre. Donc on incline un peu la zone. Avant de continuer notre exploration. Oui, donc moralité les amis, si vous êtes malin, vous re-TP ici. En fait, j'étais parti un peu n'importe où. Vous re-TP ici. Et ça se passe ici à partir du point de passage qui est là. Et vous descendez tranquillement. Hop, 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 hop. Et vous arrivez dans ce qu'on appelle le bosquet nouveau, les chevaux. Et regardez comme c'est beau. Regardez cette ambiance. C'est coloré. C'est féerique. Il y a des sacrées bestioles, des trackers spectrales qui sont des spectros d'ailleurs. Hein, s'ils sont plusieurs, des espèces de... de bestioles fantomatiques, ça a une sacrée gueule. Hein. J'aime beaucoup cette zone qui est onirique. Voilà, c'est le terme que je cherchais, onirique, de l'onérisme, les amis. Et on a enfin notre rapport. Nous avons sécurisé ce lieu de test pour essayer de nouveaux réflecteurs de ligne de force. Pas de test, pas de réflecteur. Pas de réflecteur, pas de perturbateur de stigmatempête. Je commencerai dès que vous aurez fait le nécessaire. Donc apparemment, faut clean la zone. Alors on va regarder ça. Est-ce que je peux prendre mon petit champignon en rebondissant là? Je devrais normalement. Hop, voilà, comme ceci, c'est parfait. Donc c'est ici, ça se trouve sur le... Ok, d'accord, au niveau du point d'intérêt. Donc on va activer le point d'intérêt tant qu'à faire. Hein. Et profiter un peu de cette belle vue que nous avons sur... un morceau qui peut ressembler à un morceau de Calcratoric, non? Dirais-je. Ouais, il y a moyen. Bon, en tout cas, c'est beau. C'est beau. Alors, et l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Le pacte qui se prépare. Ouais, encore un morceau de Calcratoric, donc il est partout. Hein. Il est partout, il est écrasé tout autour de nous. Commandante, ok. Quelle est la situation là-haut? Calcratoric est enterré. Je ne vois pas sa tête. Il est couvert de stigmates tempêtes et d'éclairs. Il serait dangereux d'approcher. D'ici, je vois aussi son aile tranchée. Vraiment? Si nous parvenons à l'atteindre, ça veut dire que... Oh. Les lances de sang de dragon étaient faibles car nous n'avions pas récupéré son sang. Si nous l'avions eu en revanche... Je vais demander un hélico. Quelqu'un pourra aller prélever du sang. Il doit bien y avoir un moyen d'en imprégner nos lances.
Oh, un défi. Je m'en charge. En attendant, pourriez-vous aller voir mon assistant de recherche? Nous avons localisé la caisse avec les instruments de Gorik. Un assistant de recherche? Très bien. Envoie-moi les coordonnées. Ok, recueillir les données sismiques pour 4 gaffiers. Ok, d'accord. Lille. Ok, ça va être bien. Enfin, c'est trouver les instruments de recherche qui se trouvent apparemment ici, c'est ça? Recevoir le rapport de terrain? Ah non, c'est par ici. Ok, alors on va se faire tout simplement regarder un petit TP back. Hein, faut être malin dans la vie. Faut optimiser ses mouvements. Et on y va. Hop. Donc, les données sismiques pour récupérer, cartographier l'île. Graham, c'est toi, l'assistant de Taimi? Je suis prêt à tout pour aider Taimi. Elle m'a chargé de vous donner ça. Bonne chance, commandante. Je me sens tellement inutile. Gorik, raconte à la commandante ce que tu as envoyé. L'indicateur devrait nous guider vers des zones à forte activité sismique. Placez les instruments, les capteurs sismiques B57X. Ils nous transmettront les données sur cet endroit. Des données que le tracker ne peut pas nous fournir. Des nouvelles de l'hélico chargé d'aller récupérer du sang? Pas encore. Nous subissons des interférences statiques. Je vous appelle dès qu'on a du nouveau. Ok, donc on va falloir cartographier des zones qui me paraissent bien loin. Donc les trois... On va se promener autour de toute la map. Hein, ce qui va me permettre, je pense, de débloquer pas mal de petites zones. Donc là, c'est vraiment la promenade, on va dire. Ce chapitre, cet épisode, bah, qui a le mérite de voilà, nous faire découvrir la chute draconique. Cet ensemble d'îles oniriques. Alors, chaque île, j'ai l'impression, a son espèce de biome. Là, on est sur un biome type forêt elfico, magico, onirico. Enfin, vous m'aurez compris. C'est vraiment très classe. Et on va continuer. Et là, on a un holopon. Hop, on y va. Donc, il y a plein d'events qui se lancent. Hein, vous avez vu, plein d'events dynamiques. Protéger les holopons, par exemple, ce genre de choses. On va pas s'attarder là-dessus pour le moment. Nous, vraiment poussé. L'histoire, et on arrive au calice de Mélandru. Ah ouais, c'est quand même grand cette zone, c'est quand même grave grand. Alors on va scanner tout de suite. Et le bordel, il m'amène par là, c'est ça? Et ben on va le suivre. Ça a été bon, c'est scanné. Ah, ça devient de plus en plus vert. Ok. Installer le capteur sismique. Et ben on l'installe. Oh, je suis emmerdé. Par un ours spectral. Alors, installer le capteur sismique, on va l'installer là. Donc on va se mettre ici, puis on va essayer de le lancer. Je le déploie. Voilà. Mes bestioles s'occupent de faire le combat. Ça, c'est bien pratique. En temps. Qu'est-ce que c'est que ça là? La vache. J'ai installé le premier capteur. Vous recevez bien les données? Oui, elles apparaissent. Continuez de poser les instruments. Quand j'aurai suffisamment de relevés, je pourrai cartographier les substrats. Ok, donc on a posé le premier capteur sismique. On va finir notre combat, puis on va aller au prochain. Donc, forêt de Mélandru. Enfin, forêt de Mélandru. C'est pas du tout la forêt de Mélandru, c'est le calice de Mélandru. Dan. Next. Et ben, on va passer par là. Hop. On va essayer de casser l'aggro. Pour pouvoir avancer tranquillement. Ça ne devrait pas poser de problème. Allez. Cassez-moi l'aggro là, s'il vous plaît. C'est bon, on y va. Alors, prochaine zone. On passe par le bois moussu. On va découvrir une nouvelle zone. Ouais, là, on change complètement de délire. Ah, marrant, c'est ce petit truc qui flotte. À mon avis, ça doit servir à quelque chose. Genre à se promener plus vite ou... Porte hurlante. Ok. Allons-y. Ouais, c'est tout à fait autre chose. On est là dans une zone asséchée, un espèce de canyon. Hop là, petit rollback. Petit canyon qui fait très... Ouais, qui fait... Ah là là, des squelettes, ça y est. C'est ça, c'est ça que... C'est ça. L'autre monde on est, c'est ça, non? Promontoire céleste. D'accord. Scanner la zone à forte activité sismique de l'outre-monde. Alors à mon avis c'est là où on se trouve. Hop. On doit être dans l'outre-monde. Franchement, je vois pas où est-ce qu'on pourrait être d'autre.
Ah, voilà. Est-ce qu'on a un petit passage? Bah oui, on va débloquer quand même le point de passage. Il y a le camp Olmankan. Très bien, un nouveau camp. Hop, voilà, ça c'est parfait. Et on va scanner la zone. Alors, par ici. Ah, par là à gauche. On va essayer de passer comme ceci, regardez. On va essayer d'être malin. Ah, on devient rouge, donc on s'éloigne. Je pense qu'en allant à gauche, là, en serrant, ça devrait être pas trop mal. Ça doit être par là, je pense, que le truc m'emmène. Quoique, ça serait peut-être plus juste où on était avant. Bon, on va voir, on va se promener. Vers... Ah, ça a l'air d'être en hauteur, hein. Je pense que je m'éloigne, là. Ah, c'est au-dessus de moi, c'est au-dessus de moi. Ah, regardez. Hop. Merde. J'ai pas vu où c'est parti, le signal. C'est en face, c'est pile en face dessus. Ok. Donc on va falloir trouver le moyen d'y arriver à cette zone qui s'ouvre par là. Ah, c'est juste derrière moi au-dessus. Oh, il y a bien un truc à faire avec ce. Cette espèce de. De fumée là qui nous envoie, je pense, quelque part. On va sortir le frappe seul, hein. Voilà. En plus, si je prends des dégâts, ça va pas le faire. Ok, je pense qu'avec le frappe sol, ça devrait aller. Après, tellement pratique cette monture. Tellement indispensable. Ah, ça passera peut-être pas là par contre. Ah, j'ai pas assez de jus. Non, ça passe pas. Alors, ça passe pas. Pourquoi, mon casse? Pourquoi tu ne passes pas? Est-ce qu'il faut qu'on s'envole tout simplement? Oui, 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 voilà. Voilà quand tu veux. Super. Nous y sommes. C'est par là qu'il faut aller. Tu vois mon casque, quand tu réfléchis 5 minutes, j'y arrive. On va pouvoir planter notre truc ici. Et on va le planter. Pour récupérer nos données de cartographie. Alors, pendant que j'ai plus l'agro, je vais en profiter pour planter mon bordel. Oh, décidément. De l'aide, des amis, s'il vous plaît. Ah bon, bah j'aggro la map, c'est cool. Il faut les terminer, les gars. C'est bien beau de commencer un combat, mais... Si vous terminez pas le combat, c'est nul. Allez, la guivre, les gars, je ne connais pas. Ah, mais... Mes pets sont un peu con-con aujourd'hui, je trouve. Bref, c'est pas grave, on plante. Deuxième capteur sismique en place. Très bien, continuez, ça nous donne de nouvelles informations. Tiny, tu peux vérifier ces chiffres? Bien sûr, mais avant... Commandante, cet hélico, il est tombé du ciel. Quelque chose crée une zone morte technologique autour de l'aile. Impossible d'y aller. Je doute que ce soit mécanique. Je me demande si c'est d'origine organique. Essaie de comprendre ce qui se passe. Oren est occupé avec Tralkatorik et Sayida et moi fournissons une assistance aérienne essentielle. Commandante, nous avons besoin de ce sang. Vous pouvez trouver un autre moyen de grimper? Dès que j'aurai placé ce dernier capteur. Allez, reste plus qu'un capteur à les poser tout en haut là-bas. Donc traversons la map tranquillement. Ça sera dans la forêt en feu. On profitera pour débloquer le point de passage qui s'y trouve sûrement. Alors faut peut-être passer. J'aurais peut-être dû passer par le haut, vous voyez. Parce que là j'ai l'impression que je vais me perdre dans divers endroits un peu lointains. Là une caravane qui se promène. Un event en cours. Ah, bah c'est passé par la droite là, il devrait y avoir un passage, je pense, oui. Oui. Toutes les zones sont bien reliées entre elles pour le moment. Ça monte, ça descend. Et là, on voit la forêt en feu en face de nous. Donc, notre troisième île à découvrir ici, les amis. Hop. Alors que l'on croise des merdes qui nous pètent à la gueule. Ok. C'est la magie volatile que je ne peux pas. Récupérer parce que je n'ai pas la maîtrise résonance de magie volatile. Bon. Je suis à la traîne. Alors, plus à droite. Plus à droite, on va tester. Oh, les bruits. Oh la vache, regardez l'ambiance du truc. J'adore. Putain, c'est vraiment. C'est beau, hein. Il y a quand même un effort. C'est carrément beau, hein, ce jeu. Il n'y a pas tortillé.
Bien d'effort. Alors, camp de la fleur de cristal, on va profiter pour choper le point de passage du camp qui se trouve ici. Et nous allons essayer de trouver où poser notre résonateur. Ça a l'air d'être par là. Est-ce qu'il faut monter tout en haut de ce truc? Ça a l'air. Je peux interagir avec ce machin, moi, ou quoi? Bon, ça n'a pas l'air, hein. Ouais, il faut débloquer des alors, choses encore. Il a l'air d'avoir un énorme boss dans le coin. Quand j'ai entendu dire que ok, c'est par là, ça sera en haut encore. Ça pas dû être on va essayer de passer par ici. Là, il va falloir réfléchir un minimum, mon petit cadre. Hop, hop. On va tourner autour. Ça a l'air d'être. Ah, peut-être un peu plus près par ici. Ah, jaune, ça le fera pas. Ça le fera pas, c'est vraiment de l'autre côté là. Actuellement, j'ai l'impression, genre par là, tu vois. Ah, ouais, c'est juste derrière la porte, hein. C'est juste derrière la porte. Braise éternelle, il y a un truc à faire avec ça, non? Pourquoi ça sert ça? Ah non, c'est vraiment pour, juste pour, le, pour l'event. Pas assez d'endurance. Oh, il y a un truc à ouvrir là, c'est pas possible. Je sais pas. Bon, on va avancer. On verra bien. On verra bien. De toute façon, on découvre. Ah, j'ai l'impression que c'est vraiment derrière la porte. Que je suis en train de tourner. On va bien voir. Est-ce que je dois pas être le seul en train de faire la mission en cours? Hop. Ah, là, on passe par là, regardez. C'est peut-être par ici du coup. On va voir. On se rapprochait très bien. Près de l'hydre. C'est ici que ça se passe. Allez, on a trouvé. On va l'installer. On va choper l'hydre. Allez, mes petits bouboules. On y va. Oui, je les appelle mes bouboules. Parce que je les aime bien, donc je les appelle bouboules. C'est amical. Bon, il me casse les couilles, lui. Pour rester poli, les amis. Donc on va arrêter de dire des gros mots. Et on va se concentrer sur l'hydre à trois têtes de feu vétéran qui fait plutôt mal. Récompense d'event. Ah oui, j'ai juste ramassé une brèche, j'ai eu une récompense, c'est parfait, merci. J'adore ce jeu. Ah, c'est marrant, ils perdent des bouts de tête et tout, ouais, c'est vachement bien fait. Allez, boum, c'est fait, on parle plus. On pose notre capteur sismique. Tous les capteurs sont posés, mais quelque chose ne tourne pas rond. Est-ce que c'est de l'énergie des lignes de force? La masse de Krak aurait brisé des lignes de force en surface? Oh non! Alors c'est pour ça que mes relevés sont si étranges? De l'énergie des lignes de force ici. Krak Atorik l'absorbe! Il se soigne! Il faut qu'on lui retire ses lignes de force! Et vite! S'il se soigne, les attaques de Rennes ne pourront pas le retenir. Il nous faut son sang pour nos lances. D'accord. Gorik et moi allons trouver une solution pour les lignes de force. Essayez de trouver un moyen d'atteindre cette aile. Pardon de vous interrompre. Oren, elle a trouvé quelque chose. Kaes, championne, venez à moi. Elle est loin au sud. J'espère que tout va bien. On se retrouve là-bas. Et ben voilà les amis, c'est fait, atterrissage terminé. Alors très mauvaise nouvelle, c'est qu'on a cartographié la carte et on se rend compte que Krak Atorik, et ben il est en train de se soigner. Il est en train de se soigner grâce aux lignes de force dans lesquelles il a chuté, atterri. Et ça craint un peu. Donc on se retrouvera ici la prochaine fois pour continuer l'histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions sur cette... sur ce monde vivant de Guild Wars 2 qui moi me plaît beaucoup. Tous les liens sont sous la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, un partage, un abonnement. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien. Bye tout le monde, c'était Kaz.